All right guys, et désolé pour l'énergie qui est là aujourd'hui. <laughs> Welcome to SB News. It's been partying last night. Boys spenty, Yes sir. Happy, Happy birthday. birthday. Thank yeah, you. Yeah yeah yeah. More love, more success, more everything. Uh, bon, aujourd'hui on a eu un petit break de la NFL. C'était Pro Bowl, All Star Weekend plutôt pour tous les sports, quasiment pour yep. uh, NHL et uh, NFL. Mm -hmm. Puis NBA c'est une Pas deux semaines. Après le Super Bowl. Donc, mais, même si qu'il y a eu un brick de la NFL, on va quand même parler parce qu'il y a eu beaucoup de big news. <laughs> le premier big news que je pense que tout le monde a été choqué, c'était Sean Payton, euh, le fameux coach des Saints, qui a amené Drew Brees. Est-ce que Drew Brees a un ring, toute ton ouais, équipe Il a un ring, ouais, okay, non, oui. Ok, donc il a amené un hey, ring. Hey, 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 one, one. hey. Don't disrespect Drew Brees. I'm just saying, I'm just saying. So, ouais, um, Sean Payton, gros QB, il a fait des il a amené un ring, il a un ring lui-même. Euh, Là, on va aller changer aux Broncos pour des picks. Wait, what? Oh, T'as pas entendu? Il y, a, il y a un trade pour un coach. Il y a un trade, oh, pour, un trade un pour un coach. <laughs> yeah. I think it's the first. I think it's the first. C'est pas le premier, mais c'est rare dans la NFL. Mais, comme. Je dirais, il y a juste. Il y a fini avec les Saints. C'était comme, Ça ne tôt, ça tente pas de restart, de avoir un rebuild team. On n'a pas de cap space. On a plein de joueurs qui. Ils sont payés, il veut pas puis jouer. le script leur dit, reste le on, on the bench cause I'm injured. Euh, cela lui, était comme, um, ok, il, il a pris un an off, puis tout le monde savait qu'il allait vouloir revenir coacher, c'est ce qu'il voulait pas rester avec la team. Puis... Mais et... attends, mais ça veut dire que les Saints avaient encore, le... Ils avaient encore les rights, les rights de Sean ouais, ouais, Et Exactement. là, ce qui est arrivé, euh, pour qu'une team puisse lui parler, il fallait, fallait faire un trade avec les, les Saints, puis les Saints n'avaient pas de fush-front-pick. So, donc que quelqu'un était prêt à offrir un fush-front-pick, ça va être bête ils ont changé euh, ils ont changé pour un first round pick cette année un second round pick euh, l'année prochaine puis ils ont swap un 3 contre un 4ème Russell, euh, uh, Russell Westbrook Russell Wilson avec Sean euh, oh, Payton ça peut être un fou duo bon 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 ça bon. bon. devrait ça va faire un changement ça devrait être un upgrade, un euh, upgrade ouais. sur, non, sur ça, la team c'est pas ça devrait c'est un upgrade sur qu ce qu'il y avait avant non c'est vrai non mais je veux dire mm. ce qu'il dev, devrait amener un autre un euh, autre offensive playbook même juste énergie around la team l'organisation le head coach des Broncos était trash l'année passée non, on va se le dire j'aime pas c'était qu qui t'as pas besoin de savoir si racket quelque chose racket oh, yo j'ai juste besoin de savoir que son play calling était trash ah, Horrible, horrible 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 mais ok mais écoute moi en allant avec ça est-ce que vous pensez que l'année prochaine Broncos va être positif ouais va être dans le positif au moins over 500 Over, ont, over 500, week oui, cash. Ils ont, 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 ont encore une très bonne défense. Leur défense était comme top. Presque oui. top de la ligue. Ils étaient juste, juste pas capables de marquer Les gars perdaient des games genre 12 à 9. moi Ça, c'était fou. Cette saison s'ils avaient fait 18 points dans la part des games. Plus que 18, ils auraient gagné comme... Je pense qu'ils auraient peut-être gagné 9-10 games. Leur défense est top tier. Là, Sean Patton va arriver. Il devrait fixer Russell Wilson. Um, okay. Russell Wilson, va, je pense ce qui va arriver, c'est qu'il va dire à Russell Wilson, t'es pas genre. On va attendre que le scrutin arrive. Ouais, d'accord, comme ça. <laughs> t'es comme. T'es plus. T'es. T'es fait partie de la team, mais t'es pas. Euh, comme t'es pas over. Là, t'penses pas que comme. Comme j'ai coaché des meilleurs cubis que toi. Exact. Ouais, genre, genre, il va exact le calmer. Comment, il va ouais, le calmer. Ça, parce que t'as rien montré l'année passée. Puis il a déjà dit, oh, on va run the ball. Comme il a déjà dit, ça va être Il va run the ball. So, dans une prochaine fantasy. Russell, euh, Bruce, comment Bruce, ça s'appelle le uh, back uh, de Boston? Oh my god. J'ai oublié son nom. Attends, je, te, uh, je vais te le trouver. Uh, je l'avais en plus dans mon. Et mon... c'est Williams? Non, 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 non. Comment je l'avais dans mon fantasy en plus? Melvin Gordon, mais l'autre, j'ai oublié son nom. Mais... Melvin Gordon, ça oui. Mais, mais c'est l'autre. Celui qui s'est blessé, là, au début de la saison, celui qui va, qui va carry. Euh... Il devrait, oh, oui. bon. De bon pour Fantasy next year. J'ai fait, fait Melvin Gordon, bague. Il <laughs> <laughs> yeah. me semble que c'est Javante et quelque chose. Mm -hmm. Roster, ouais, crazy. running back. avait uh, Marlon Mack non. qui n'a pas joué, Latavius Murray, Javante Williams. C'est Javante Williams, c'est ça? P Edmonds, puis non? Pitch Chase, non, non, puis Chase Edmonds. C'est Javante et, Williams. All the, way, all, all the way. All the way. Fantasy guys mm. next year, Broncos, defense et puis running back. Uh, next question. DeMarco Ryan uh, était un linebacker, linebacker pour Texans, pour, pour les Texans. Il Était un très bon linebacker. Très Et bon, ouais, avec Brian Cushing. Exactement. Puis là, on l'a quand c'était ma team. C'était <laughs> un team Texans. Uh, ça c'était c'était qui le QB dans ce temps Je ne sais même pas c'était qui le QB. Je savais <laughs> oh juste que la God. défense c'était insane. Puis j'avais un running back uh, insane. Que JJ White gagnait des défenses mmh. de Exactement. Est-ce qu'ils ont gagné un. un... Ils n'ont jamais gagné. Non, ils n'ont jamais oh, gagné. Mais un... il y avait une défense de fou. Ils oh, allaient oui. en playoff. Ils allaient en playoff, mais Ils ne il se rendaient jamais. Ouais. Donc, euh, on l'a appelé pour qu'il devienne defensive coach euh, DC et, des Texans. Est-ce que c'est -ce est -ce est la solution pour les Texans euh, d'aller prendre lui? Mais moi, je trouve qu'à chaque année, il y a toujours des, des coachs que tout le monde hype parce qu'ils ont une bonne saison d'une bonne team. Et je ne veux pas dire qu'il n'est pas bon, mais en même temps, il coach la défense des Follininus. niners mm. euh, regardes... Et lui Ouais, ouais, ouais c'est le coach, c'est le coach. DC des... Tu regardes le, le, coach avant, mm. le coach juste avant des niners la défense des niners c'est le coach des, euh, des, des Jets. Mais en même temps, c'est comme... Mm. Tu as déjà les pistes, là. Là, bah, es... là tu vas à Texan. Yo, du viens un comme tu rien comme puis là tout le monde veut que tu on veut pas que tu améliores nécessairement la défense tout de suite, les gens ouais. veulent que tu trouves le quarterback, ils veulent que, ouais. que tu, tu trouves la face of the franchise. So... Là, il va être head coach ou DC, head coach. Head coach. Ouais, so être... head coach. Ouais, c'est head coach des Texans. So, oh. Moi, je dis pas que c'est un euh, mauvais hire, mais je genre est-ce que genre c'est ça que tu as besoin live tu cherches tu cherches à avoir ton QB genre pour, comme tu pas de QB là, t'es les Texans. Tu dois build genre euh, comme je ne vais pas commencer avec ma défense si un anyway, j'ai rien parce que je suis toujours à perdre puis je ouais. perds mes joueurs à la fin ça so. je sais pas si c'est toujours la meilleure chose de prendre un defensive coach euh... pour pour devenir un head coach et pour oh, non mais pour build une euh... équipe ouais. avec il uh, yeah, je tu so. as raison moi je pense aussi que c'est pas une bonne idée moi je pensais qu'elle est moi le fait qu'il va être head coach euh, fait en sorte que non on est, Texas à même pas d'offense. Texan à uh, rien. Il y avait un y running back d'eau, me semble. Texan, qui, qui brûlait les gars, me semble. Ouais, Pierce. Oui, Pierce. C'est vraiment, tu parles du bottom-bottom. Ouais. Je, je vais donner l'exemple des Jets. Euh, comme le Salah. Il ouais. y a, a des cette saison. Mais il n'y a, y a still pas de QB, si tu comprends? Ouais, c'est ça le problème. Là, il va devoir comme trouver un. Mais au moins, ça, y a, y a, sa team est rendue comme bonne au mm -hmm. point que tu sais qu'ils ont besoin de QB pour compete. Exact. Euh, les mais, Texans loin. Mais les Texans euh... sont loin d'être là oh. aussi. Des fois, tu prends un, un team comme ça, puis après 2-3 ans, t'as pas donné de, de t'as pas donné genre puis on te fout dehors puis es off pour le reste mm -hmm. de ta, ta carrière de. Ou, ou tu vas avoir genre deux victoires l'année prochaine puis on te fout euh. déjà dehors. Donc c'est un setup tu penses ben, Non. Moi, moi, <laughs> moi pour le reste, des fois je regarde ça relâche je suis comme c'est bien un setup parce que yo, on t'a appris parce que tu coachais la best defense comme, Et comme la de ligue. ligue. Y a le a Plus de joueurs de talent, Puis après ça, on dit oh, ils changent la pire défense de la ligue. Leur la, la, la défense est pas si pire que ça au Texas parce qu'ils jouaient de. parce que leur division était mmh. une trash. True. Mais si les autres teams de sa division s'améliorent, et dès qu'ils compitent, C'est que ça a rien, man. Moi, je pense que c'est une erreur. Non, ils ont un DB, joueurs. ils ont quelques linebackers d'E-line, mais that's it. Ils ont comme. Ils ont, ils ont besoin d'un. Je peux même pas nommer un joueur en défense. Moi, c'est euh, Pitre. 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 C'est un de leurs débits. Est-ce que, est que toi, tu penses que tu as un bon choix ou tu dis que. Ben, c'est un ancien joueur des Texans. Mm -hmm. C'est sûr qu'ils vont lui donner l'opportunité. Comme ils vont lui donner des chances. Ouais. Mais. Faut voir au draft parce que, right now, les Texans sont modèles, mon gars. Ben, bro, quand c'est Mills, ton starting QB, c'est bon, parce qu'il y a un problème. premier pick, ça va être sûrement un QB, là. Ben oui. C'est un Defensive Coach d'un Head Coach, ça ne même pas qu'il prenne un D-Line. Non, mais tu peux aller signer un Free Agent. C'est sûr. Lamar Jackson, man. Tu vas prendre Lamar. Il va remplacer Deshawn. Il serait boosté. Il prend Lamar, il draft un DM qui est boosté, puis le reste c'est des wide. Puis t'es correct là. Les wide sont pas pires. Mais nous, c'est Lamar. Pourquoi Lamar irait à Texas? Parce que Ravens n'a pas respecté. Mais ouais, ça, mais là tu vas dans une équipe qui ne peut rien faire pour toi quand même. <laughs> Au moins elle va dans une équipe que t'as des weapons. Ouais, ouais. right, next question. Tom Brady. Retire for good. C'était temps, c'était temps, c'était temps. Merci pour les bonnes années que tu nous as données. Merci pour tout le hate que j'ai pu donner durant les années. Tu <laughs> m'as fait ma regarder le football contre toi et être heureux quand tu perdais mais toujours Super Bowl. Surtout au Super Bowl. Philly Special, remember this. <laughs> On est-tu rendu au 10-day euh, Crossline line qu'il faut vraiment retire? C'est fini. Ça fait-tu plus que 10 jours qu'il a annoncé sa retraite? Non, ça fait pas 10 jours. On va attendre jusqu'à temps que ça fait 10 ça jours. Ça fait le 1er février. Euh, mais, euh, moi, je pense que c'est dead. Euh, dead. Les, les performances l'ont prouvé. Je pense qu'il ne file pas. Euh, à la base, il ne file pas le... Le, le nouveau head coach. Ben le coach, coach oui. de, de box <risaix> à la base, c'était pas. Il était, il était pas bon. C'était pas supposé lui. C'était Bruce Ryan, le coach. Ouais. Puis là, ils l'ont changé, le, le, ted, le Todd Bowles. <mrisa> cool. Puis lui, il a coaché les Jets. Puis je l'ai vu à Jets, il est très pourri. <mrisa> ouais. Puis on a vu à l'a vu à la fin de la saison, comme yo, les gars, ils ont aucun. Ils changent rien, genre, comme ils font les mêmes plays, mêmes même chose. Tout ce tombe il comme, je vais pas sais. gagner bah, avec ça. Puis il a dit, OK, fuck it. Ça ça à rien. Je pense que si dans sa tête il y avait une bonne team, il y a des bons joueurs, mais s'il y avait un bon coaching staff qui aurait pu faire des, des changements, il y aurait il sûrement serait, il serait, il essayé de jouer encore. Puis je pense pas qu'il n'y a, a pas vraiment de team qui est nécessairement prêt à aller les changer pour lui. So. Oh, c'est fini. Ok, fuck. So. S'il y avait, si avait dead l'année quand même, puis perdre, j'aurais peut-être pu continuer. Mais, mais il n'était pas que... that bad. Bro. Non, il était. Comme Tom Brady standard, c'est pourri, mais il était meilleur que plein de QB. T'as raison. So, euh... T'as raison. Tom Brady standard, t'as raison. J'ai pas, j'ai pas pensé ouais. comme ça. C'est vrai. Comme tu dis, Tom Brady, t'es avec le Folignanes. là, il, il, il est good là. Oh, <laughs> il, il a gagné. <laughs> ça, so. Il aurait peut-être peut battu les, les, les Eagles. Peut-être. <laughs> peut-être. <laughs> peut <-être> même. <laughs> la manière qu'il a d était, mm. la d était, on l'aurait sûrement envoyé à l'hôpital. Mais qu'est-ce que les Bucks vont faire maintenant Est-ce que les Bucks vont rebuild où ils vont aller comme, est-ce qu'ils vont faire ça, est-ce qu'ils vont aller répéter dans le draft, est-ce qu'ils vont faire des échanges pour aller prendre un QB pour remplacer Brady. On a parlé de Rodgers. On a parlé de Rodgers la semaine passée, peut-être Rodgers va aller au box. Il faut qu'on trade. Rodgers n'est pas free agent, il faudra qu'il trade pour Rodgers. Euh, moi, je suis Et les box. Euh, vous avez vu votre Super Bowl? Comme vous avez... Vous avez parié sur Tom Brady pour vous en amener une. Il t'en a amené vous un. Il en a donné une. À restart, bro. Comme non, là, c'est. C'est vrai. Hein, Mais il aurait dû, ça, ça aurait dû déjà être commencé. Ouais, comme ça, ça aurait dû déjà avoir un QB vrai. Dans, dans ton team. Ouais. Ils auraient dû avoir un QB d'ailleurs, Tom Brady, pour de vrai. Euh, ou qu'ils apprennent. Tu lui donnes so, une année. Ouais. Tu, cette année dans le draft, tu dois draft un QB. Euh, pour mm -hmm. moi, peut-être que tu peux prendre un QB genre à la Derek Carr ou euh, un QB mm -hmm. genre comme pour un an ou deux ans, un stop gap. Mais yo, pour moi, c'est un restart. La division est trash en plus. So Profitez-en avant que tout le monde commence à être bon. Mm. Raison. Moi aussi, je pense que c'est un restart. Je pense qu'il devrait rebâtir à zéro. Euh, est-ce que en rebattant à zéro, est-ce qu'il devrait aller changer Mike Evans, aller changer... Euh, euh, tout comme rebatteur, aller prendre des ah, tu peux aller des chercher des cakepicks avec ça, ça cake pick avec ça peut-être à tel que a good idea. c'est le gars t'as eu ton ring ça a marché dans un revamp au complet mm. ouais yep. t es, t es totalement d'accord avec vous autres bon Carlin hurts le, le nouveau king de la nfc right It, he is my king nfc <laughs> yeah. mm. su c'est qui le king du nfc depuis les, deux, les trois dernières années, Mahomes. On a douté un peu cette saison avant. avant comme Brew arrive. Ouais, c'est euh, vrai. Non, non, non. Mais ouais, Hurts, c'est le king. Il y, a... mm, y a un Astérix. Il y a un gros Astérix. Pourquoi y a un Astérix. C'est moi qui gros... dans la Ligue. Il y a, y a zéro NFC. compétition. Il <laughs> y a un gros Astérix. Zéro sur zéro le, 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 le king du NFC. C'est qui d'autre, sa compétition NFC Ça, je veux dire, il n'y a personne d'autre. Aaron Rodgers a about to leave. Euh... Like... Vaxoude. Uh, Sinon, après Old ça, t'as Kenneki. Kenneki, commence pas. Kenneki, Koseid. Brock Purdy. Oh, commence pas. Brock Purdy. Bro Brock Purdy. Les gars, rentrez. Il aime pas se lancer une balle. Oh, oublie. Ou de Je t'ai dit, l'année prochaine. On n'en a, on a parle pas de ça. Non, pour mais... l'instant, Jalen Hurd, c'est le meilleur QB de la NFC. Geno Smith. Ugh. Non, mais c'est ça. C'est juste pour dire que pour les vrais, le talent pool dans la NFC. est QB, là, c'est vraiment pas bon. Donc, pour le moment. Et le, yes. et le king de et le king, pour le moment je te le donne merci mais moi, pour un petit bout moi je, je vois pas mm. je ne je, on sait tous que la première année les rookie QB vont pas déranger ça c'est mm. à part Brady que la, même Brady c'est sa deuxième année qu'il a dérangé ouais. donc on le sait donc Jen Hertz, pour deux ans il y a encore le king ouais mais rien rien peut arrêter tweet par rapport à notre Oublie oublié du UFC qui va dans le NFC. Tu sais, t'as dit Kyle Murray. J'ai dit Kyler Murray. T as dit Kyle Murray. Tu vois qu'il est encore là, j'ai oublié qu'il est encore là. Non mais, mais, mais euh... dis-moi, t'as dit une phrase oui. clé. J'ai oublié, t'as as as vraiment correct, dit, dit Kyle Murray. Il, il y a eu une Trash Years, c'est correct, de je te donne. Years. Il y a Justin Fields aussi, qui okay, peut non. être un bon QB. non. non. Tu dis Justin Fields oui. aussi? Mais qu'est-ce que ça veut avec Je te valide le point de... Je donne aucun respect à tes Eagles et à Jalen Hurts. Ok, mais vous devriez, moi je vais dire, c'est pas comme si... Jalen Hurts est genre top QB là, comme top 5. Il peut être dans le, bon je veux même pas dire top 5, parce que une saison c'est passé pour moi. Il est dans le talk. Il est dans le talk. Mais faut fasse la même chose l'année prochaine. C'est ça. Il va le refaire. Mais NFC c'est Cash, il est le meilleur QB. NFC c'est le meilleur QB du NFC. Mais il n'y a pas de compétition. C'est pour ça qu'il y a un astérix sur son King. Oh Lord, oh Lord. Si Aaron Rodgers reste dans le NFC c'est c'est Aaron Rodgers. Okay. Il n'a pas assez joué pour que je te dise qu'il y a de la compétition. Brock Purdy est 100% à côté à Jalen Hurts après qu ce qu'il t'a montré toute la saison. À côté? Okay, non, okay, non. mesdames et messieurs. Le gars n'a pas perdu une game, puis c'est Mr. Irrelevant. Il faut, faut juste que je te rappelle que c'était le last draft. Oh, Available. Oh, le gars est uh, still undefeated, parce que je ne compte pas la défaite qu'il y a eu uh, dimanche. Ce qu'on la dépense qu'il y a eu dimanche? Non, il n'a pas joué, bro. On l'a envoyé. Il n'a pas joué. Il a fini la game. Il a fini la game. Le, le il gars est rentré pour un warm-up et Il a fini la game. Fini on l'a, la envoyé game. sur le banc. On a dit pas assez chauffant. Il a fini la game. Il pouvait pas lancer. Pas grave. Il a réussi à dire Je ne peux pas lancer. Pourquoi tu mets au terrain? Exactement. On a dit Mais il a pu lancer Mais il a dit non, bro. Il a pu dire non aussi. Il a pu dire non aussi. Il a juste fait des remises. Tu ne peux pas lui donner le L. Il dit, c'est comme, comme oh, si. Le est fou. C'est comme si on, on sub on le goleur. Regarde. On sub le goleur halfway, un, puis un, je prends L. l. Un c'est un L, ok. À cause, c'est moi qui ai fini la game. Un L, c'est un L. Il a perdu à la il fin. A perdu, voilà. puis, il y a eu une bonne a eu une bonne saison. Une bonne mais saison. il y a même pas joué 18 games. Genre, comme L'année prochaine, le game tape est là. Ouais. là comme ça ne veut pas dire ouais. qu'il est bon. Là. On a vu comment il a pris sous pression. On a vu comment il a testé une, pl une, une plume. C'est une discussion pour l'année prochaine, ça. Il n'aime pas Steve Astard. Il n'a pas le va même pas j encore blessé, tu sais, Ah, j'ai encore mal mm !» -hmm. euh, Bref, euh, AFC, Mahomes, bah, ma question c'est est-ce qu'il va rester le king pour les trois prochaines années encore ben, Parce que là tu as Burrow... Yo, ma home, non, Mahomes c'est king, il n'y a pas de... uncontested. uncontested » Je n'ai pas dit « uncontested un » là, et, euh, on peut Two toujours... Troy on the come-up », Trevor on the come-up » Non, mais je veux dire, <laughs> ça va still être Mahomes, mais il y aura de la, <laughs> de la compétition genre si so, tu n'acceptes pas mon point de Brock Purdy mais tu me sens Trevor Lawrence on the come up j'ai pas dit à côté comme toi à côté non toi tu manques de respect moi j'ai dit ils ont de come up C'est de manque de respect Yo bro pour vrai quand ils vont gagner yeah, Prudy, quand je vois Brock Purdy comme carry la team sans que c'est il lance une passe 5 verges puis DiBos dit court samuel qu'on 70 Merci. <laughs> quand je vais voir ça là je vais, on va parler de Brock Purdy là en ce moment il y a donné à donner ce ballon au playmaker, puis le playmaker, playmaker fait le reste. Comment il a fait à la fin de la game? Donner à McAfee, donner à McAfee, <laughs> faire un reverse à Deebo. Oh, non, non. pour moi, ils n'ont ils ont pas, pas de QB. Genre, ils ont, ont C'est une team qui n'a pas besoin d'un QB pour fonctionner. Mais ils n'ont pas... Si ils avaient un top tier QB, là, yo, ben super bowl, Je Je dis ça, don't sleep on Lamar Jackson either. Parce que je sais qu'on l'oublie, on manque de respect. Il est, il est juste là, là. Ce pas avec le ball on t'oublie, bro. Faut que tu avec le ball. Ma home, he you injured, he available. C'est vrai. C'est vrai. Ok, c'est peut-être pas la même blessure, mais il faut que tu sois available. Tu peux pas être chaque fin de saison, t'es out comme. Yeah. T'avais trois ans de suite, euh, fin de saison, il est pas là, genre. Est-ce qu'il y a. En tout cas, okay. j'avoue. J'avoue. Bref. Super Bowl prediction. Bon, guys, je ne commencer même pas comment ça, Aaron. Vous savez déjà, déjà mon... c'est qui mon équipe? Eagles, Burgame, Bro Bro. J'ai mon chandail aussi, par mon boy Spenty. Je pense que toute l'année, Ego vous a prouvé qu'ils étaient une équipe solide. Je sais que le schedule était facile. Je le sais, je l'ai vu, je l'ai relu. Je peux l'accepter aujourd'hui parce qu'on est Super Bowl. <laughs> on est <au> Super Bowl. <laughs> je peux l'accepter aujourd'hui. Le schedule était facile. Toutefois, euh, les, la, la D-line, soit pass rush ou run defense, excellente. Nos, nos DB squad, c'est des MVP calibre, des All-Star calibre DBs qu'on a. Nos backers, les ceux qui étaient très normal, mais ils ont prouvé qu'ils pouvaient faire leur job, right? à grâce à leur D-line. Donc, mm -hmm. so, you know, rentre dans le trou, on ne doit pas faire un bail spécial, juste be there. Le running game, ta as Gainwell qui, qui commence à se réveiller, même de Scott est là. Donc, so, quand c'est une deuxième bail bizarre, tu deux running backs qui sont solides. Troy Batman, Devon T. Smith, deux. tous les gars, cache la boule quand la boule est bien lancée. Là, c'est là le problème. My king is injured. Problème d'épaule, il ne pas connecter deep. Donc, la game va être la même game que contre 49ers. Run, run, go 2, go 2, go 2, run, run, go 2. Puis, eux, ils vont courir aussi. Puis, il faut pas qu'ils se laissent emporter avec les deep balls à Brown. Il faut qu'ils savent check down au Thailand parce qu'elle va toujours être open. So, uh, Eagles, je dirais 28 à 17. Pis ça va être Troisième, quatrième quart que la game va partir? Bon, 28-17, c'est quand euh, même beaucoup. Euh, moi, je pense que la game, c'est une game de maximum, genre, 4 points. 3-4 points. 3, 4 points euh, mais, moi, je voudrais, genre, Igo a la meilleure team entre les deux. Mais les Chiefs ont Patrick Mahomes. Mm, c'est ça le match. Genre, Enjoy Patrick Mahomes. Oh, non, que a que... style uh, carry sa team au football. Il dit top 3 QB c'était Pat Mahomes, Joe Burrow puis <laughs> Pat Mahomes on one leg. Donc so, euh, euh, comme il va être fit. Je regarde encore, je suis comme je sais pas quel receveur des <laughs> des Chiefs va faire quoi que ce soit. Oh, yo. Euh, Car logiquement, logiquement goûts devrait surveiller Cassie, mais clairement personne ne le surveille. Personne ne peut. On a dit qu'il n'y a pas de wide, mais il y a quand même Scadwell qui a fait 112 verges, 120 verges Ok, il peut le faire encore, puis ça ne me dérange pas, mais... C'est ce que j'allais dire. Si c'est ce gars-là qui me bosse, j'accepte ça. C'est ça, mais je ne m'attends pas à ce qu'il... check une autre game de même, là. Tu vois, quand un random player fait une affaire, la semaine d'après, il est invisible. Il disparaît. Comme tu as un il va, il va bin drop la balle, faire Exactement. des fumbles. ça il va venir te de faire d'ex game. Aussi, so, tu dois prendre un receveur, si tu dois prendre genre euh, Juju ou, 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 ou Tony. Ouais. Quelqu'un par, un par, par rapport. Ouais. je de te couper. Juju a une grosse game. C'est toujours la une grosse game, grosse game ça pas, là. Ouais. Parce qu'il n'y a rien fait depuis qu'il est avec les Chiefs. Voilà. Mais toi, euh, malgré. Pour le reste, si je vais avec euh, tout ce que, comme je regarde là, tout. là, là. Si Mahomes est vraiment encore blessé, la D-line de, 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 ben, de Eagle devrait finir la game parce qu'il passait beaucoup trop vite euh, contre, euh, The Niners contre les Niners. Puis les Niners ont une bonne O-line. Je pense pas que la, la O-line des Chiefs. Est... La O-line des Chiefs, ce n'est pas la O-line des Eagles. So, euh, <laughs> Patrick Mahomes devrait. Yo, ça, tu vas savoir après genre un quart s'il si est good ou s'il si n'est pas good. La même chose pour John Hurt. So, juste live. Je vais aller avec Mahom parce que c'était lui le King quand tu Mais je pense que tu, peux voir tout, tu vas voir tout de suite si, si Mahom n'est pas en forme. Puis s'il n'est pas en forme, les Eagles ne vont pas lui laisser la chance. De, ils ne vont pas faire ce que euh, Bengals ont fait. Jamais Blitz. Euh, laisser le partner clean dans son pocket, posé en train d'attendre. Les gars vont venir rapide. Puis si, si les Eagles commencent à rush comme, <laughs> comme euh, ils ont rush rushed Purdy puis l'autre ne peut pas courir. Bon, déjà, je colle déjà. Mahomes lance un pick dans la game. Euh, je pense que ni, ni Mahomes ni Jillian Hurts vont lancer un pick, les deux. Euh, je pense que les deux vont pas être good. Hurts, euh, faut que je le vois lancer la deep ball aussi. Je si papa fait ça, non, on sait pas. Les gars, ils ont eu deux semaines pour celui qui est plus heal up, win. Facts. Facts. Ça, c'est un vrai commentaire. <laughs> si Mahomes est 100%, il n'est pas 100%. Il devrait il... être 100%, non. non. Il ne sera pas. Ça va être dangereux pour mes Eagles. Je ne pense pas. Même, on va dire, on va dire euh, il y a eu 14 joueurs. Hurts, euh, ouais, vas-y, c'est pas assez. Hurts, parce que dans dès qu'on t'accoule, il tombe mal saché, injury encore. Yeah. La même chose pour Hurts. Euh, on t'accoule, il tombe sur les boules. Ah, okay. so, même ouais. durant la game, quelqu'un peut commencer hot. Un, un mauvais sac, la, la team qui protège mieux son QB il devrait gagner. Ouais. Voilà. Ok. <laughs> Ça, ça, ça passe m'énerve déjà c est, c est ça nature. passe m'énerve déjà guys moi là le, le karma que les gosses ont eu toute l'année ça, ça va leur revenir dans la face comme comme les Vikings exactement la même chose tu sais qu'est-ce qui va arriver third, third drive hot take third drive Jalen Hurts Jalen Hurts injured out of game out of game out of game c'est Chris Jones qui va le sac non, là, là, il va non. se faire mal Charles Hurts vous allez se blesse parce bah, qui a couru il va arriver la même chose que vous avez fait au Niners. On ne plus joué de la game. Il n'y aura plus de QB pour les Eagles. Ça va être votre game done, dusted right now. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Là, tu ne sais pas juste. Pas no, no. pas qui, tu veux pas savoir qui est un C'est qui l'autre bah, Moi, j'ai lu le script. Menchu. <laughs> j'ai lu le script. T'as lu le script. C'est Menchu le backup QB. Menchu Ouais, Menchu. C'est de Menchu. Écoute, ça peut être uh, de la take, take *The Real Story*, c'est même tu qui t'es t'es grave de way at non, the end. Non, y a pas de Nick, fault, comme Nick euh, Foles, y a pas de Nick Foles euh, qui passe ici. <laughs> Les deux le QB pourraient sortir out. La fin, tu vois, c'est Chad Henne contre Mitchell. Tu veux vraiment ça Non, mais pour Ça de vrai, serait wack, ouais. ça serait super wack. For real, euh, c'est moi je pense. Euh, um, John Hurts, si ouais il peut pas lancer, on va le voir courir comme une moune. Il va juste, run. il va commencer comme à la fin de la game, il va courir, ouais, il va courir. Il peut prendre des hits aussi puis se faire mal. Anyways. Ça va être une game de QB. Ça va être comme Niki a dit. Et le, QB, le healthiest QB va win, d'après moi. Puis, mon, mon vrai surprise, mon actual hot take, c'est que je pense que Pacheco va avoir plus que 100 scrimmage ah, yards. Moi, je pense que Pacheco va te, te Moi, je pense que ça va être le. Moi, je le, pense le... c'est Kelsey puis Pacheco. Moi, je pense que Juju puis Kelsey parce que, comme chaque... comme chaque game de football, tu regardes les t'as tu as dit Osega est rendu sous ça, tu crées une, une défensive. Pour le country. Ouais, pourquoi je ne suis pas à Gross parce que je sais que le running game des Chiefs c'est trash. Non mais ils vont le laisser, ils vont le mettre pour bloquer. Mais il va rester bloqué. Mais il va être le checkdown. Il, ben, il a été le checkdown à, à Mahomes, il va être encore le checkdown à Mahomes. Puis le gars, je t'ai donné l'avantage sur a le pas rushing toi, game. Il a fait un long play, un long play. Donc si tu regardes la game, il a fait un long play. puis après ça il y a eu, ça, il 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 a a eu a quand découpé. même plein de checkdown. Il y a genre eu 7 receiving uh, non, catches. Non, il y a pas eu ça. Il y a eu un long play, ok. Puis il a fait toutes ses verges là-dessus. Puis après ça, il y a Goss. Puis c'est McKinnon qui était là parce que c'est McKinnon le bloqueur. C'est ça qu'ils vont voir le patch. Je veux dire, on ne peut pas laisser, on peut pas laisser il ça. Eu, il y a eu 5 catch 5 catches. Mais si tu regardes ses stats, est non, mais tout, tout au début de la game. Oui, je suis d'accord, oh, je te ouais, le, ouais, te le je donne. donne mais pas il pas va pas. quand même être là pour le checkdown tout le temps. C'est moi, je pense, c'est McKinnon qui va jouer le plus cette game-là parce qu'ils vont vouloir bloquer. Puis le, le, celui qui bloque... C'est Mekinen. Il so, trust plus Mekinen pour bloquer que Pacheco. Pacheco, il est là en early down. Euh, so, moi, je pense que Mekinen va rester là pour protéger Mahon parce qu'il comme. Il ne veut pas qu'il prenne des coups profonds. là. So, Pacheco, moi, dit, je suis je... bien under. Bien under everything. C'est pas, pas mal ce qu'il dit. Mais, je dis, parce que moi, je suis comme Frank aussi là-dessus. La manière que Pacheco courait, la, la, la manière qu'il courait, c'était un break tacos, c'était de la, de la ouais, violence. C'est toujours un play. Il fait un ouais. play. Bon, bah, ça, tous ces autres des des plays, c'est des petits plays. Okay. Je pas le trouve McG... meilleur que Miles Sanders. Au début de la semaine passée, je te donnais l'avantage pour le running back, pour le running game. Mais pour les running back, je donne l'avantage au Chiefs. À cause de Patrick. Toi, t'as pas vu Gamewell? Non, <ini> non, no, no, toi, t'es fou. <fiction> pas vu well Ok, mais toi, t'es un number one hater. Ah, yeah. so je t'ai dit, moi, je hate les Eagles. Oh my no, dieu. Et puis oui, c'est juste euh, product of. Euh, tu, tu sauvais tellement le, le passing game. Et Oublie peut, Pacheco. C'est ça, là. C'est pas parce qu'il est bon running back, là. ça, là. Mm. Non, euh, il, est, il est capable de break des tackles, il est capable de, yeah. de jouer du monde, il, il est quoi enfin, Tous les running backs peuvent faire ça, genre. Comme tu mettrais 2 avec chose, il <laughs> allait faire la pa même chose. Pacheco, quelque chose. Pacheco, quelque chose. OK. Un, okay. Over 100 screaming yards pour moi. OK, c'est bon. Écoutez pas ce gars-là. pas ce gars-là. pas ce gars-là. All right, man. Avez-vous d'autres choses que vous voulez rajouter à la prédiction? Non, euh, ben, moi je, je vais. Ben, pour bête la façon dont je vais bet la game, euh, Super Bowl MVP, Patrick Mahomes. Ici, si, si c'est les Eagles que vous pensez qu'ils gagnent, mettez anybody other than Jalen Hurts. Faites un non-QB MVP. Oh wow! Parce que je pense que les Eagles gagnent, c'est pas Jalen Hurts qui, qui va gagner. C'est pas nécessairement Jalen Hurts qui va les faire gagner. Genre. Pour les Chiefs, pour que les Chiefs gagnent, c'est okay. sûr que c'est Mahomes. Pour que les, 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 les Eagles gagnent, ça, ça peut être le running game, ça peut être euh, la défense, ça peut être Edgy Brown qui a vraiment tout fait, puis chose à lancer deux picks, puis il n'était pas bon. Comme Matthew Stafford l'année passée, euh, c'est Coupe Cup qui a eu le MVP. So, pour les Eagles, il y a plein d'alternatives. Je pense pas que c'est Jalen Hurts qui va être nécessairement le, le, le MVP. de puis le Over Live est à 50,5. So. Moi, moi, je pense que en deux. En deux. Moi, je le Under. Je je mets Under. Puis game 20 à 17. Ou... 21 à 17. Eh, je... un, peu plus. Ouais, je suis, ouais. un peu plus. Moi, je pense vraiment que j'ai un pas forcer. 24-20. Something like that. Moi, je pense que j'ai un forcer un TD. Il va à aller la, course? Pas ouais. la course. Il va le forcer. Ouais. C'est ouais. ouais. son genre, là. juste ouais. pour ouais. dire que je pas le TD, dans je peux buller. Il va le forcer. Ouais. Bon. Puis les Eagles sont favorite. C'est mm. sûr? Non. Ça va voir la semaine prochaine. C'est encore favorite. Ouais, c'est encore favorite. Voilà la semaine prochaine. NBA. Ok, alright. Toronto, with the North, ça va pas très bien. Euh, OG à um, Anunobi veut quitter, ben, veut quitter ou non. On, on veut le trade? On, on veut le trade. trade. Veut le trade. Euh, là, il y, y a eu quelques équipes intéressées. Donc, les, les Knicks et les Suns. Euh, Est-ce que les Raptors devraient le trade? C'est Frank. Mm -hmm. Je vois pas, Je vois pas pourquoi je, on, on devrait pas le trade. Yeah c'est un bon tu vas avoir des pics ça dépend juste -ce que, où tu vas finir dans le standing si tu peux avoir une chance d'avoir one Yama. puis that's it, man je, je pense pas peut avoir one benniama à part si ils sont là comme lose tout le reste c'est pas de un saison. petit peu comme euh, la la nhl ou a un lottery il y a un lottery, euh... ouais, y a lottery mais je veux dire quand même le lottery est bin euh... bin script bin script <laughs> bin script fini dernier là souvent tu gagnes le lottery <laughs> That's all. <laughs> <that's tough. laughs> Mais, mm. moi je regarde ça, ils ont dit qu'ils veulent de tout le monde sauf, tout le monde de la team est available, except Barnes et Yakam yeah, Yacams. Yeah, euh... Moi c'est un... le fait que leur big skinny ball, je sais pas comment tu appelles ça. leur hard ball. Hard ball, hard ball, lanky. Ah, ça a prouvé à pas être, euh... mais, pas marché. à pas marcher. Cleveland, a... ou ouais, même Cleveland ils ont changé t'as raison, j'allais dire Cleveland mais même Cleveland ils ont amené Mitchell. Mais c'est pas que ça fonctionne pas, parce que l'année passée, ça fonctionnait. C'est ouais. juste tout d'un coup, les joueurs produisent pas. Euh, Vin, la mania, Van Vliet jouait horriblement. Mais là, il a commencé à pick-up. Parce qu'il veut trade. Lui, lui, il veut quitter. Tu pas remarqué là, il, <laughs> lance, il, il rentre de, <laughs> de, de, de bon. Mais le but de la saison, yo, Fleet, a euh, Vliet, euh, Gary Trent, yo, les gars jouaient comme c'était dégueulasse. Mm. Euh, Scotty Burns n'a pas vraiment take a step. OG toujours blessé. Mm. Euh, si Akam aussi était blessé. Ouais, so, la team, comme ils ont des joueurs, mais ben, je pense que c'est juste. C'est temps, temps de restart. C'est des gars qui ils étaient là quand Kawhi était là. So, euh, c'est temps de comme, essayer d'avoir une autre énergie. Genre. Moi, personnellement, moi, moi, je pense qu'il devrait le trade. Je pense que même l'équipe les Raptors should rebuild. J'ai entendu des rumeurs que le... lui qui avait amené Kawhi, j'ai oublié son nom, euh... ah, ça y est. Ouais, va, va quitter. Les rumeurs, j'ai entendu aussi. Donc, moi, je pense qu'il devrait juste rebuild. Puis, le meilleur choix c'est les Suns. Les Suns ont beaucoup de gens qui sont prêts à partir. Donc, par deux. Mais je ne trade pas mes gars pour quoi deux Non, non, non. Comme, ne cherches comme même Booker ou Aiton. Ils n'ont pas donné Booker. Comment tu vas tuer OG pour Booker? Non, non, oui Avec d'autres personnes. Ça ne donne pas Booker. Ça ne donne pas Booker. Est-ce que tu veux Chris Paul? Je ne pense pas. que pas Chris Paul. va aller à Toronto. Anyways, t'es obligé de tuer pour des picks ou genre Cam Johnson. Michael Bridges, peut-être. Yeah. Euh, si tu es pour avoir OG, tu peux changer OG contre Michael Bridges, mais. Ou tu rajoutes des picks. Ouais, je, OG pense OG, je pense que les Raptors avoir... veulent des picks, c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent pas nécessairement des joueurs. Je pense qu'ils veulent des picks. Ils veulent rebuild. Ok. Ouais. Um, autre, autre question. Jure Holiday, uh, lui qui fait partie du Big 3 des Milwaukee Bucks. Big 2. Big 3. Uh, Melton est back. Melton est back, c'est au big 2. J'ai pas eu de faire quoi que ce soit. Il était blessé, il était blessé, il est revenu. Il au blessé. Pick up the pace. Mais l'autre, ça fait comme deux ans, remove. Mais l'autre, il est bien prime. À son prime. Il y a d'autres partenaires qui jouent à son spot depuis plus qu'un an, mon cher. C'est vrai. Mais bon, all So, Jerry Holiday a été mis All-Star avant James Harden et Young. Vous acceptez ou pas? Bah, je veux dire, j'ai pas vu James Harden cette année. J'ai pas vu. <laughs> non, tu veux pas d'autre? Tu pas vu James Harden. James Ryden joue bien. Il joue très bien. Ben, ben, très bien, je Il joue à un bon niveau. Ouais, ouais, non. même moi, je trouve que c'est même mieux que L'affaire avec James oh, Harden, oui. c'est juste que les gens sont habitués de le voir faire des 30 points. C'est ça. Mais maintenant, il fait juste faire comme 20 points, puis il fait des double double. So, il y a, ouais, a diminué sur les points. Comme il fait ce qu'il doit faire, genre. Sur so, moi, Joe D, shout-out, parce que c'est un gars que comme les gens euh, ne le donnent pas à All-Star. Les gens ne vont jamais le mettre rarement. Je ne sais pas si c'est son deuxième All-Star. Je suis content qu'il qu soit là. Est-ce qu'il aurait dû être over James Jordan Je ne sais pas. mais Je vais dire que Lede mérite d'être là. Comme, mais Trae Young, lui, non. Il, ouais. il mérite définitivement d'être over Trae euh, Young. James Jordan ça, ça aurait pu être James Harden qui ben, aurait été fait en All-Star. Moi, je trouve que Young est inexistant. Ben, inexistant. Je trouve que le, le, le combo Murray puis Young ne fonctionne pas. Là, du tout. Dernièrement, ils ont un ils ont, ils ont run de win, là, dernièrement. Ok, ben, ça ne fonctionnait pas au début de la saison. Euh, je trouve que Traian a beaucoup de turnover, beaucoup de méchats Les gars, ils n'ont pas, pas une routine établie. Là, tu me dis, ils sont en, en trick de win. Peut-être que ça commence maintenant. Traian average still. Un double-double. Mais ben, Atlanta, c'est une team second half season tout le temps. Ça okay. commence toujours mal. Et deuxième saison, second half saison, il commence à gagner des games. Peut-être que je regarde pas games assez d'Atlanta, mais j'ai regardé les games des Bucks, Même quand Janice n'était pas là, au lieu de pick-up de pace pour gagner la game. Parce que c'est ça aussi qui a fait qu'il est un roster. Exactement. Il est capable de carry la team quand son hors-star n'est pas là. Il fait en sorte que James Jordan quand il est pas là il y a de la misère. Puis True ben, au début, bon, first half, il est inexistant. C'est facile, mon gars, quand tu te dans ton team aussi, là, de faire des Là, il, fait, non, il fait plus d'assises qu'un beat de balles, actuellement. Ah ouais? Parce que là, est la fin, c'est vraiment centré autour de lui. Genre. Ah, je comprends. So, c'est du ball, du ball, check mon gars passe. Du ball, du step back, trois points. So, c'est comme quand il joue à Houston. Genre, tout le monde est des role et il donne ce qu'il veut. Quand il y a un beat, des fois, tu donnes le ballon à un beat. Là, un beat prend son open shit. So, là, il n'y a pas d'assises. Ok. Uh, Jaren Jackson versus Anthony Davis. Qui mérite plus d'être All-Star? Euh, les deux ne méritent pas d'être all star Eddie, vraiment pas mérite pas d'être all star Les deux ne méritent pas. Non, parce que j'ai oublié de mettre les stats, mais quand tu regardais les stats. Ah, les stats de ouais. le Eddie sont bonnes. mais... Il... C'est comme si les deux ont joué le même nombre de games. Là, parce que, genre, genre 12. <laughs> <Au> genre. <laughs> oui, ok. 12, 12 sur 40 C'est valide. C'est quelque chose comme ça. Puis, JJJ, euh, je pense qu'il y a peut-être genre 16 points, 7 rebonds. Il y a mmh. peut-être 2,7 blocs par game. Okay. Comme... Il y en a joué de 30 sur 40. Il, a... il dit Impossible. 30, non, 30 mais... sur 45. Genre. Mais... Et GGG, les deux ont joué le même nombre de games, Et là, environ. dit lui, il a 20, comme 25 points, okay. presque un double-double, 10 rebonds. Mmh. Il fait 1 un point, un point quelques blocs. Comme ah. ses stats, quand tu regardes ses stats, il y a des bonnes stats. Il y a des bonnes stats. Celui-ci, okay. ne joue pas tout le temps. La même chose pour JJJ, parce qu'il a manqué le début de la saison, mais il fait genre 16, 16 points. 7 rebonds, mais il fait des blocs comme on le fout. Ce qui paraît, il euh, y a eu un argument, il disait que le gars qui prend les stats dans Memphis, il lui rajoute toujours des blocs à chaque game. Parce que <laughs> le gars faisait des games 7 blocs. Il a Puis là, euh, c'est Est-ce que vous trouvez que JJJ mérite d'être All-Star Je sais que Anthony Davis ne mérite pas nécessairement parce que les Lakers sont bien trash, mais. Oh. Absolument pas. Euh, CGG pour moi non plus, devrait pas être un All-Star. Mm, non. non. Ben, c'est même dis... pas le deuxième meilleur joueur de sa team. Non, les deux ne méritent pas d'être là. Les deux. Non, Eddie, Eddie, si tu regardes juste ses points, si tu regardes ses stats, il okay. mérite d'être un All-Star. Ouais. Mais, c'est Eddie. Mais les gens l'aiment plus, là. C'est ça, c'est ça. Puis... Non, il aurait été là quand même. Puis, à la fin de la journée, c'est un All-Star game. Je, comme je suis content, je suis fier de toi. Genre, tu average fucking 4, 4 blocs par game, mais on veut pas voir tes 4 blocs par game <laughs> dans un All-Star game. On veut voir des points. Non, mais tu regardes, voilà. tu regardes les... Poudrey dans l'Ouest, là, le all les les, les posts, je sais pas si c'est parce qu'il n'y en a pas, mais Zion n'aurait pas dû être all Non. Euh, le gars a joué comme. Je, quand il était là, j'avoue qu'il était bon, mais il, il a même pas pu jouer all lui, lui, il a joué JJ qui joue 15 games. Puis, puis là, après ça, tu mets JJJ qui est comme OK. Puis après ça, Poudrey, sûrement, il n'y a juste pas d'option. Ça doit être ça parce que. Pas croire qu'il n'y a pas d'option. Au pire, enlève les scèneux puis joue avec des smalls. <laughs> <laughs> C'est un hors game. On veut juste voir la fin, euh, tout. On veut ça, voir est... des dunks et aller où. Il y a Joe Kitch, il y a Sabonis comme ouais. centre. Euh, les gens vont pas voter. Non, mais il est dans l'ouest. Les gens vont pas voter Gobert. Euh, Towns est blessé. Euh, je pense qu'il n'y a juste pas d'option de comme Big Anyway. C'est so, pour ça que les gars vont passer parce que. Les gars n'ont pas pris Kawhi parce que Kawhi, est bingo. Yo, Kawhi. Euh... Kawhi, il joue plus basket. Mais. Ouais, mais je pense que c'est ça. Il n'y a juste pas d'option dans <laughs> le West. So. Les gars, ont en fait by, by default. Ils ont eu, ils ont eu le spot. Il y a eu spot. Rendu là, il fallait juste mettre un power forward ou quelqu'un de quelqu nice. Par contre, Kawhi, je veux dire, Kawhi, pour moi, grosse déception. Là. Même, quand il, même quand il revient. Ah là, il, il a, il a joué une Il joue, il joue une coupe de a bonne game. Ça fait, ça fait une ou, une non, ou deux non, semaines qu'il joue mais le qui... quand il a pris 54 points dans les mains de Janus, okay, il a non, bien joué. Ça, non, ça, c'est Il, il a perdu le lead Est-ce qu'il n'est pas clutch ça. comme ça Il n'est pas bon comme ça Non, mais Kawhi, lui, il a un plan. ok Son affaire, là, c'est. J'arrive au début, je prends des, des, je des restes. restes. Comme je ne joue mm -hmm. pas sérieux, je joue avec minute restriction. Lui, il se build up pour le playoff. Kawhi, c'est un gars qui s'en fout de la saison. Comme il n'a en a rien à faire de la saison, là. Donc, là, il commence à jouer les games. Là, il joue des, comme 36 minutes. Là, il joue les fins de game, il commence ouais. à se mettre dans les clutch positions, essayer de faire les games. Puis, là, tu vois, au mois de février, les clippeuses, je pense, ils ont zéro back-to-back. So ils n'auraient pas manqué de game, juste pour manquer des games. Mm -hmm. Et puis, euh, depuis qu'on est revenu de, du Nouvel An, Kawhi, Kawhi, euh, put up numbers. Ouais. C'est so, des 30, c'est au-dessus de 25 points de temps. Si, hein. si tu veux juger Kawhi, okay. si tu veux vraiment juger Kawhi, c'est rendu après le mois de février, rendu au mois de mars, regarde qu ce qu'il fait. Parce que lui, il veut être comme en forme pour rentrer dans les playoffs parce qu'il rentre dans les playoffs ouais c'est notre gars il manque plus de game même oh, ouais, si Andrew ouais. il joue une autre euh, saison après ouais c'est ouais. ça lui en ce moment il fait juste se mettre en basketball shape c'est juste ça qu'il fait je so, okay. ouais, il pense pas qu'il prend le game comme ça au sérieux là ah, se sent, mais mais depuis qu'il est revenu depuis qu'on est revenu du Nouvel An il est boosté il est boosté il joue bien c'est vrai que c'est vrai qu'ils ont pris quand ils ont perdu contre les Bucks ça c'est un, un vieux L c'est un vieux L un vieux L Puis, il a pas bien joué cette game -là, non pas bien joué c'est sa pire game que joue ok c'est celle-là que j'ai regardée depuis le Nouvel An Sinon, il joue bien. Mais il y a still genre 17 points, 11 rebounds, 5 assists. Dans ce game-là. Il, il est en train de se build up. C'est juste ouais. ça qu'il fait là. C'est en est shape. Ouais, c'est en shape, shape au playoff. Bon, qui vous auriez voulu, voulu voir um, au Qui est pas là Ouais. Mm. Okay. Mais qui vous auriez enlevé Comme Qui vous auriez remplacé pour Moi, j'ai pas vu c'est qui. Attends, ben. J'ai pas place? vu le line-up au complet. Moi non plus. Je veux mais moi j'ai enlevé euh, j'ai enlevé euh, comment dire dans j'ai enlevé Zion mais définitivement j'ai enlevé JJJ parce que Zion ne peut pas jouer ni anyway, so... ça j'aurais voulu voir Anthony Edwards euh, qui d'autre qui a pas fait je pense Ali Burton non lui il a fait le roster euh, j'aurais voulu voir Anthony Edwards mais n'est pas comme s'il joue nécessairement comme super All-Star level mais il y a juste beaucoup de guards il y a Fox qui était. Il y a Fox qui aurait pu faire Hostor aussi, mais ça c'est pour lui, c'est toujours dur de faire Oscar dans l'Ouest parce qu'il y a trop de guards. Puis dans, dans l'Est, moi j'aurais mis aussi Jeremy James Jordan. Je sais pas qui j'aurais enlevé, mais. Yo. Oh, venant à lui d'ailleurs, Donovan Mitchell. Vous avez vu depuis qu'il a fait 71 points, il ben, ben a Been trash. <laughs> <Been> trash. <laughs> il trash. Il trash. Il joue même pas Close. les 36 minutes. Yeah, oh. comme il il s'est blessé aussi, mais yo, le partner ne peut plus scorer. Genre. Il ne peut plus scorer. Le gars s'est rendu dans les top scorers dans oh, une game. Man. Career high, record, shit. final, le partner ne peut plus jouer. So le quand... gars est inexistant seulement. So, ouais, so, la façon dont il a joue live, il ne devrait pas être un starter. Euh, j'aurais mis gaulin à sa place euh, son boy dans sa team au pire mais il devrait donner son spot clairement il carry carry rien du tout <laughs> mais sinon ouais, c'est pas mal ça j'aurais voulu voir quand même Ar Arden dans là star c'est tantôt non non, non c'est la semaine prochaine en deux semaines je pense deux semaines il y a le hockey aujourd'hui le pro bowl ça existe plus pro <laughs> bowl pro je c'est pas plus qui plus. regarde les gars jouer au ballon chasseur là <laughs> j'ai aimé le headshot par exemple Ouais, ah, c'est ok. Euh, la, la game, je sais même pas, c'est quoi, c'est Flag maintenant? C'est un Flag football. C'est ça, game. ok. Ça devrait être dos en tout. Plus personne ne regarde ça. Euh, ouais. Et hockey, c est, c est ouais. puis le hockey, c'est aujourd'hui. Ouais, puis Ovechkin puis Crosby jouent ensemble pour la première ah, fois. Ah, oh, c'était ça leur, leur spécial. C'est nice, bro. Ah, oh, nice. Ils travaillent là-dessus, ils travaillent sur j'aime les deux lises. Comment la première fois, ils sont pas toujours dans l'Est euh... Ben, c'est la, la manière que les, les, les conférences, puis les divisions marchaient, ils puis les all comment. Okay. Ouais. La seule fois qu'ils auraient pu jouer ensemble, c'était les captains, comme c'était le captain des deux, des deux teams. Ok. Euh, non, moi, qui j'aurais enlevé Je reprends ta question. Ouais, ouais, ça c'est tout de suite. J'ai Paul George. Paul George dit dans le West, il y avait un manque de, mmh. manque de personnel. Ok, j'aurais peut-être mis euh, Edwards over Paul George parce qu'Edwards a joué toute la saison. Moi, si as joué toute la saison, tu devrait être Reward. Exactement. Pour, euh... Ouais, ouais. Paul George. Ouais. qui, qui j'aurais remplacé Je ne peux pas dire là, là maintenant ma bad, là, mais j'aurais retiré Paul George. JJJ, Zion, Donovan Mitchell. Oh my god. C'est trash, hein, ce line-up. Là. <laughs> <laughs> mais tu vois cette année euh, cette année le, le draft je pense ils vont P on sait pas c'est quoi la team les teams qui jouent contre avant le alors ils vont faire le draft juste avant leur star puis quand ils vont sortir ils vont présenter les joueurs tu vas voir qui est dans quelle équipe. nice mais euh... hum. yeah. yeah. okay, so. je m'en fous. Je du All-Star de la NBA. Je m'en fous de toutes les all en fait, toutes les All-Star games, je m'en fous. Ouais. Même le Dunkin' Test qui est bon peu, puis maintenant. Là, même là, c'est rendu blême. J'aime pas, pas qui va participer. Mais on, un okay. je sais qu'on m'a dit qu'on va prendre un gars de la G League, Dunk, mais on est rendu. Non, où, là. Ça vaut plus rien. Ça vaut plus rien. Il est boosté. Il est boosté et non, non, comme Dunkers, ce gars-là, il been dunking okay, euh, ouais. sur mon IG, je le voyais depuis le college, là. Mais Stills. Ah, ok. Anyways, mmh, tu veux voir ça je, vois les, je veux voir les, les stars, Dunk. Exactement. C'est ça que je veux voir aussi. C'est pour ce sujet. Kyrie Irving. Ah, oh, c'est bon, <laughs> <laughs> My dog. <laughs> le patiné qui exagère. Euh, il a demandé un, un trade le, quoi, le 2 février. Yeah. yeah. Sept jours, une semaine avant le trade deadline, euh, qui est le 9 février. Donc, euh, là, il y a trois équipes qui ont été intéressées Mavericks, Suns, Lakers. Mm. Il y en a plus que trois. Bah ouais, mm. mais c'est trois qui, comme, qui sont publiquement en direct, sont sortis We want him dans mon commentaire, il exagère. Euh, il savait qu'il était en position de pouvoir parce qu'il sait que euh, son contrat finit cette année. So, I do trade maintenant pour quelque chose ou si tu ne trades pas live, il part for free. Tu peux pas, tu peux pas laisser partir Carry for free. Ce serait une erreur. So, il a mis une grosse pression sur les Nets et je sais qu'il a appelé son boy qui est dit avant pour l'avertir, yo bro, I'm up qui a dit, I'm going, I'm going out too à la fin de la saison. So do your thing, bro. Moi, vrai, je ne veux, veux pas dire que comme le move est, est comme c'est fucked up, mais il a dead, Pour oh, moi, il a, a dead. Dit. Regarde, KD s'est blessé, là, juste quand les Nets jouaient bien, puis là, il a perdu deux games, puis là, le monde est comme « Ah, oh, carry, il ne peut pas, il ne peut pas carry. Ouais. » il then, 40 points, 50 points, Dérange, il gagne les games, carry, là, il a montré son value, puis là, il a dit « Yo, moi, je voulais un max deal, parce qu'il a, leur il a déjà demandé un max deal, on ne lui a pas checké. Mm » -hmm. okay? Il a dit vous voulez pas me checker vos cobs toutes les affaires qui est arrivées, vous m'avez pas backup en tant que ville en tant que team. Mm -hmm. Moi je suis prêt à bouger. Mais il a dit OK. Moi c'est ça il bouge à la fin de l'off-season mais il a dit je veux pas attendre. Ouais. Je bouge live parce que quand tu pars, quand si on trade, il peut vraiment avoir le max qu'il peut avoir. Si on trade s'il si se fait signer à la fin au, dans l'off-season comme si par free agent, il peut avoir un max mais le max est moins haut. Mais lui il a dit OK, moi je suis prêt à bouger live. Puis Qu'est-ce que vous allez qu faire? Vous allez me laisser partir au free ou vous voulez des, des picks ou des joueurs en retour? Mmh, y a Puis bien. Re moi, je trouve qu'il y a bien ça. tu fait. regardes, sans moi, le, le team and shit Quand vous allez relayer sur Ben Simmons qui manque des game il oh. still not right. Yeah. Moi, je trouve qu'il y a dead. Puis, je ne vais pas être fâché parce que c'est comme si j'ai une situation similaire. C'est comme si tu vas à ton travail. Ouais, je veux, comprends. Tu, et ton travail t'aime tra pas depuis une année. Tu travail t'aime pas. Il te a... fait chier. Il, y a il veut pas te payer. La ville t'aime pas. Il est pas quit. te quitter. C'est vrai. Ciao, bye. Comme Will il... Carrie, il, il est extra, il fait des affaires fucked up. Ouais. Mais sur le coup, moi, je suis comme, je suis pas against Carrie. C'est mon home mentalité en toi qui me fait dire genre stick to the end. T'es es venu avec ton boy, t'avais un plan, tu voulais amener un ring. Il a eu, le plan a bien écrasé. Le plan ah, gars bien écrasé. Est eu, ça. Les gars ont eu the best. Best big 3, mais peut-être pas le best big 3, mais one of the best big 3 on paper. On paper, yeah. Puis les, tu sais qu ce que les gars ont fait? Les gars ont joué, ils ont gagné un playoff series. Je pense même pas qu'ils ont joué plus que 50 games ensemble. Non. Mm. Puis il y a eu trois trade requests. Bon, Kyrie est rendu sur son deuxième sur quatre <laughs> trade requests. parce que James Harden <laughs> a demandé un trade request, il y a bouge. Kyrie a demandé un, ils ont dit non non non. Puis Kyrie ouais. sur son deuxième trade request. So. Les Nets, comme organisation, you're in the mode. Clairement, vous êtes pas capable de... Clairement, vous faites quelque chose de mal. Ouais, ça, c'est un problème de wow. genre organisationnel. C'est pas juste... Les joueurs qui sont bizarres. Ouais, même s'ils sont bizarres, vous êtes toujours pas capable de gérer vos... Euh... Media, le, les médias, ouais. la team, à l'intérieur, je sais pas qu'est-ce qui se passe day in and day out, mais il y a quoi de fucked up qui se passe? Les owners doivent dire de la merde ou whatever, les coachs, je sais pas c'est qui, yeah. mais il y a... Il y a une ambiance dans cette équipe-là. Ouais, yeah, yeah, yeah. qui fonctionne pas. Il marche pas. Ouais, ouais. Depuis le COVID saga à Carrie. Dysfonctionnel, c'est team. Yeah, c'est ça, c'est dysfonctionnel. Yeah. Yeah. Puis moi, je trouve que c'est le meilleur move qu'il peut faire, bro. La ville t'aime pas. La team t'aime pas. Il ils value pas, ton, ils, ils value pas ton, 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 ton game. Bro, prends tes clics et tes claques. Pis, Ciao, et, bye. Yo, moi, avec les Mazs, puis Donchich. Kyrie dans impossible. Oui, je trouve oui. pas c'est un bon move. C'est pas un bon move. Je trouve move. pas c'est un bon move. Non, C'est 100%. 100 c'est deux balls dominant guard. C'est ça. Merci. Les gars oui. vont faire du oh, your, turn my turn, your turn, my turn, my turn. C'est comme. Non. 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 Même chose s'il va avec les Suns, puis il va avec Devon Booker. Non, ça, ça serait beaucoup mieux. Ça, parce, parce que Booker, c'est exactement la même chose. Non, Booker, c'est pas un dominant guy. Booker, c'est un shooter. Booker peut plus jouer avec Kyrie. Mais ça veut dire comme. Chris Paul, il fait quoi? Tu sais quoi, Chris Paul, il doit Ben, Chris Paul s'en va l'année prochaine. Oh, okay, so, T'as besoin, besoin de quelqu'un. Non, mais est-ce qu'il est qu y a encore Chris dans la team? Ouais, ouais, non, il est encore dans la team. Si il est encore possible. dans la team, ça fonctionne. pas. c'est pour ça. T'as vu, rentre, Chris Paul. Ah, ok, ben, au pire, on voit Chris Paul à Kelly. Ah, il pourrait faire à vous de ça. Et euh, puis des pics. Ouais. Des oh, coups doudats, des coups doudats. Les Cus, par contre. Je ne sais pas si Chris Paul vous doit. Je suis sûr que Chris Paul a un veto sur son trade. Tu ne peux pas le trade comme ça. Je oh, n'ai pas surpris un hein, bail ben, comme ça. mais euh, Oui, j'ai dit les keys. T'as une minute, j'ai rien sur toi. Mais oui, Chris Paul, parce, il va, il va, il va, moi, je pense que Chris Paul va vouloir partir. Parce que les Sims ne seraient pas bien. Puis Chris Paul court après un ring. Une un pas les nets. <laughs> pas les nets. Les nets sont dysfonctionnels, Pourquoi j'irais dans un dysfunctional like. <laughs> You're right. You're right. Yo, les gars, il right. gagnait des, des games. Bang. Tu vas trade qui, bro? <laughs> les Lakers vont trade qui pour avoir carry, bro? Merci. Comme personne. Non, faut, non, non. So, Reunite, Westbrook, KD Eddie. Eddie, moi. Faut que tu donnes Eddie. Eddie out, carry crazy. in, Thomas Bryan, Revient Center. Puis là, on roule, fou, ça. Ça On roule, les gars. Moi, moi, je, moi, je suis hors oh, mais... Oh, les gars, listen to me, Lakers. LeBron, listen to me. Euh, C'est Kyrie euh, euh, qui va décider si, si le move va être fait ou pas. Kyrie, pour est Lakers. Est-ce que Kyrie veut redevenir Robbie? Si Kyrie si, si veut vraiment aller à Lakers, oui. il va juste attendre la, le off season de notre agent puis aller à Lakers comme bien easy. Lakers n'ont rien pour tuer. Hein? À exact. part si les Nets sont vraiment prêts à prendre Westbrook. Puis moi, je pense que Westbrook peut jouer avec. Kelly peut jouer avec Westbrook. Euh, Aussi, que la force est à Westbrook pour Ben Simmons. Là, c'est tough. Bro. <rire> <rire> là, c'est tough. Mais s'il n'y avait pas Ben Simmons dans la team, j'aurais vu Westbrook et Ben Simmons. Eddie va être content avec Ben Simmons. Ben Simmons, ça ne le dérange pas de faire la job du center. Il... Eddie, là, tout, il ne veut juste pas être center. À moi, au bout d'un moment, je ne sais pas. Écoute, yo, carry for Eddie c'est le best trade ever. On va voir à cette semaine. Puis je pense qu'Eddie joue. Semaine. Tu sais pourquoi joue bien comme ça? Parce qu'il sait qu'il y tant des rumeurs dans les couloirs. Yo 80 for carry man. quest moi moi On joue, je joue pull up numbers Sincèrement, je pense que, je pense même pas que ça se faire trade. Je pense que ça va pas marcher parce que les nets sont tellement bizz. ils vont demander pour tellement beaucoup. Tu penses qu'ils vont prendre bluff dans le bluff, le bluff. Puis ça va pas marcher. Il va partir for free. Il va partir for free de de oh, uh, wow. uh, uh, summer. C'est big L. Là, je pense pas. Moi ouais, je suis pas L. mal sûr. Ils, vont demander, ils vont demander genre deux first round picks. Ils pick, sont pas en position de Un All-star. Parce que là, ils vont dire les gens vont dire comment live, il veut partir. Il reste pas le reste of the season. 4 ah, il... de feu sur le pick. Yo, tu prends ce que je te donne, bro. Les nets. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Mais les nets sont tellement bizarres qu'ils pourraient faire un move fucked up et dire yo. Ah, peut-être qu'ils vont le perdre pour fuir. Ils, ils, dit, ils, ils, dire ils vont fois. dire yo, bah, moi j'accepte il... pas ton œuf. Puis... <laughs> non, parce que le honneur, il, il est un peu comme ça, vraiment. Il est juste, parce, à cause que c'est Carrie. Puis... Il est tellement têtu. Ouais, qu il, qu il va, va, va peut-être faire son têtu. Ça il va, se il va faire une affaire bizarre. Mais je ne puis... je je sais pas si Carrie est prêt à patrouiller le reste de la saison. Bah, là, c'est sa décision. là, c'est sa décision. Rendu là, c'est sa décision. C'est plus le basket d'avant, les gars peuvent. Mais je sais il joue Je pense, arrêter. Je, je pense pas qu'il va jouer. Euh, les Nets, je devais jouer hier. Je pense qu'il n'a pas joué. Je pense pas qu'il va jouer. Euh, jusqu'au trade deadline. Just go trade deadline. Voilà. voilà. Mais ça, c'est pas grave. Mais si on le trade pas, mais C'est qu sûr, sûr que les Nets veulent de quoi de fucked up. C'est sûr qu'ils veulent genre deux first rounds puis un All-Star. Ah, oh, for sure. Ok. For sure. For sure. 0 all -star, ils veulent avoir des picks. Ils veulent avoir Eddie et picks. Ce serait le meilleur trade au monde. Ok, soccer. A plenty. Euh, on a eu un upset week-end, mon gars. Oh my god Upset weekend. Liverpool a perdu 3-0 mm. encore. Ça va super mal pour Liverpool. Euh, Chelsea a dépensé, dépensé genre 500 millions au transfer window pour taille contre Fulham qui est la pire team de la Premier League. 0-0. Okay. 0-0. Euh, no goal, man. 0-0. Tous les, les nouveaux achats qu'ils ont fait, les studs, ça a coûté 100 millions lui, 120 millions l'autre. 0-0. Euh, Mais c'est toi tu prends plein de joueurs, tu lui mets dans la team. Expect que Frisk ait tout au coup. Il ben, y en a eu une couple qui ont joué genre deux games, whatever. Uh, still, beaucoup d'argent pour oh, Ty ouais. Fulham. Uh, Everton a battu Arsenal. Ça, c'est 1-0. crève Coeur. Yep. Uh, la seule team qui n'a pas, pas de disappoint, c'est Manchester United. No way. Ils ont ça un run. <laughs> Tilly a perdu. <laughs> Comment Tilly a perdu aujourd'hui. Man City a perdu tantôt contre Tottenham. Ça, 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 ça nous sauve pour Arsenal parce que yeah. sinon, il y aurait catch-up. Yep. Yeah ça, c'est la Premier League en général. En Italie, il y a eu Atalanta qui a perdu 1-0 contre Sassuolo. Ça, c'est mon équipe Crafcourt qu'il ne faut jamais parier contre Sassuolo. Jamais, jamais, jamais. Napoli a gagné. Milan Inter joue live. Puis Real Madrid aussi a perdu. Mallorca. Il y a eu beaucoup d'upsets. On se rapproche très proche de Champions League, mm. le, le 14 février, le jour de la Saint-Valentin. Let's go! On va tout écouter la Champions League. Et avec nos formes. C'est ça le dé. Je vois PSG. Vous avez des fans de soccer? Bah, moi, je vais être. Bah, je regarde je vais pas. Je vais juste voir PSG contre Bayern. Juste je vois Ça, ça va être un gros, une grosse, grosse clash. Ah! Oh, un autre surprise. Euh, Cancelo, le défenseur latéral de Man City, mm. il a demandé de bouge Il a eu son wish. Il est allé à Bayern. Avant le Challenge window. Ouais, Il jouait pas, genre. Ouais, le... Pep avait fait quoi de bizarre depuis qu'il était revenu avec la Coupe du Monde. Il a cité une Coupe de Game. Il a pas aimé ça, bro. Il a pas joué pendant 7 games de suite. Ça fait absolument aucun sens. Il a dit yo, bro. C'est qui qui joue à la place Il joue une nouvelle formation. Je sais même pas qui. Je suis même plus menti. Je te dis, je suis encore fâché de Je suis trop Je Il joue à Kanji, Haki, puis Walker comme genre défenseur centraux, genre 3, puis après plein de option offensive je sais pourrais Pep Pep je sais pas qu'est-ce Trying to hurt oh, Trying je... to hurt le gars à pas a plus de buts genre <laughs> que n'importe qui l'année passée Moi, fait, ça fait deux trois games qu'il a pas marqué là, dans un cold streak il peut avoir un coach de comme deux semaines. Oui, de il pastille. peut avoir un coach pour le, le reste de l'année. C'est le premier. <laughs> il, il a tel nombre de buts de l'année passée. T'as so. so, un, un gars qui score comme ça, at will. T'as pas besoin de casser ta tête, bro. Juste mm. play simple, man. Yeah. Je pense que des fois, il complique trop sa vie. C'est pour ça qu'il veut trop montrer que c'est un genius. Exact. He fails. So, la semaine prochaine, on va revenir avec nos euh, prédictions de la Champions League. Alright, guys. That's yep. it? Yup. All right, like, share, follow, subscribe. Merci à vous. Have uh, a good, good weekend. Week yeah, sir.